이번 주 당신의 마음을 훅 하고 훔쳐갈 최신작을 세상 가장 빠르게 훅! 천재 작가로 칭송받던 빅터 아델만의 장례식장. Nous pleurons un poète. C'est en effet un immense écrivain qui vient de nous quitter. Tant de chefs-d'œuvre à citer. 그런데 고요해야 할 장례식장에 사람들이 수군거리기 시작합니다. 그런 그들을 무심하게 보는 빅터의 아내 사라. Je vous dérange peut-être. Vous êtes qui? Je suis Antoine Griot. Vous savez, je prépare un livre sur votre mari. Victor et moi. C'est toute une histoire. Je savais déjà que c'était autour de lui que toute ma vie s'articulerait. Comment tu t'appelles? Sarah. 클럽에서 만난 무명 작가 빅터에게 첫눈에 fall in love. 하룻밤을 같이 보내며 너와 결혼까지 생각했어. Les femmes qui pensent que l'expression coup de foudre est une métaphore ne se sont jamais réveillées à côté de Victor. 같은 집, 같은 방에서 숨주나는 꿈까지 꿨는데. Merde, c'est le bruit des pages qui vous a réveillé. Ah putain. En fait, je sais pas si c'est l'alcool ou si elle est devenue moche pendant que je dormais, mais au réveil, putain, c'était plus la même. 술에서 깬 그는 결혼은 고사하고 그녀를 만날 생각조차 없어 보이죠. Même la personne la plus orgueilleuse qui soit peut se vautrer dans le ridicule lorsque par malheur la tonalité continue bêtement à résonner dans lui. 그런데 마음이 바뀐 건가요? 전화를 받으러 가는 빅터. Non mais écoutez mademoiselle, là, il faut vraiment arrêter d'appeler parce que vous faites presque peur là. Allô? D'ailleurs, depuis cette période-là, je n'appelle plus personne. 하하, 이렇게 하룻밤의 짧은 인연은 끝이 나고 맙니다. 그리고 시간은 흘러. Embrasse-moi. Embrasse-moi, je te dis. Aimez bien la langue, hein? 빅터는 잊고 새 남자를 만나는가 했더니만 어라? Salut. Salut, ça va toi? Oui. Victor, tu connais pas Sarah? Si. Non? Non. Je suis la petite amie de Philippe. Tiens. Merci. Bon anniversaire. Merci beaucoup. On se connaît pas? Non. Non. 빅터 절친의 여자친구가 돼서 빅터의 생일 파티에 등장한 사라. 파격적인 등장에 황당함도 잠시. Ah, bah ça doit être ton frère qui arrive avec sa nouvelle copine. T'appelles ça une copine, John? Moi, j'appelle ça une pute. Je ne crois pas au destin. En revanche, il faut croire que le destin croyait en nous. 허허, 이번엔 동생의 여자친구로? 아침 드라마 뺨치는 전개에 정신을 못 차리겠는데요? Tu sortais avec mon meilleur pote, maintenant tu tapes mon frère. C'est quoi l'idée? Quoi, c'est interdit? J'ai pas le droit d'être amoureuse? Parce que t'es amoureuse de lui? T'es jaloux? Qu'est-ce qui te plaît chez Antoine? Il a aucun intérêt, il a aucun humour, il s'intéresse à rien, pourquoi? J'adore son nez. On a le même nez. Ah, bah c'est peut-être pour ça alors. Tu vas pas taper toute la famille. Ton père est pas mal. 결국 참지 못하고 선을 넘어버리고 마는 두 사람. Sarah? Qu'est-ce qui se passe là? Quoi? Rien? 여친과 친형의 키스신 직관에 집안이 발칵 뒤집히고 마는데. On s'en va? Il n'y a rien plus excitant que de s'enfuir en pleine nuit avec un homme qu'on aime. 정작 둘은 로미오와 줄리엣의 빙의에 사랑의 도피를 벌입니다. Until the time is right. Encore? Oui. Non, j'arrête. Après, ça ne fera plus d'effet. 아니 그런데 너 지금 어디 가는 거니? Victor! Souris-moi, je me jette. Victor, arrête! Tu me souris ou je me jette? Souris-moi. 돌고 돌아 만난 사랑에 둘은 더욱더 불타오르고. Je parle pas de ça là, même dans mon écriture, elle me donne une patate. Après la page d'après. J'ai des idées tous les quarts d'heure. Parfois c'est les siennes, parfois c'est les miennes. Faut être con pour penser qu'une femme intelligente ça sclérose un ego. 그녀와 보내는 시간이 길어질수록 소설에 대한 영감도 깊어지죠. Page 1. Tout le paragraphe sur la robe, tu devrais le mettre au présent. Tout le paragraphe. Ouais, ce serait beaucoup plus fort. Ce ciel qui défiait mon désarroi. Là, pardon, mais c'est pas un peu grandiloquent? 뮤즈로서, 그리고 멘토로서, 빅터에게 중요한 존재가 되어가는 사라. Qu'est-ce que c'est?
Rien. C'est du fou, mais c'est bien fait, il paraît. Bah, tu m'offres un bijou. Oui. Il paraît que les gens, quand ils sont amoureux, ils ont besoin de l'exprimer de façon matérielle. C'est une manière bourgeoise de dire je t'aime. Moi aussi, mon amour, je t'aime. 로맨스 장르라면 이쯤에서 해피엔딩으로 끝나야 하는데 그런데 말입니다. 결혼은 현실이라고 누가 그랬더라. De toute façon, je reste là. Quoi? Tu sais quoi, je reste là. T'as pas le droit de leur faire ça. Bah, leur faire quoi? De la peine. Ils ont mis au monde une fille exceptionnelle, là. T'es gentille, t'es belle, t'es cultivée. Et toi, tu leur ramènes une espèce de pauvre type, là, d'écrivain raté, là. Je suis jaloux de la terre entière. 이 정도 투정은 애교 수준. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Attends. Victor Adelman? Oui. C'est qui? C'est une question de sonorité. Tu trouves pas que Adelman, ça sonne mieux que De Richemont? C'est plus doux, c'est plus... Mais il est fou. Il est fou, ça va pas à la tête. Hein. Faut se faire soigner, là. Parce que moi, j'adorais l'idée d'avoir des enfants qui s'appellent De Richemont. Sarah, c'est aussi par amour que je veux porter ton nom. Sarah의 성인 아델만을 필명으로 삼더니. Bonjour. Eh bien voilà, c'est fait. Le prix Goncourt est décerné à Victor Adelman pour la ville Fardeau. 거기에 사라의 조부모님 이야기로 책을 출판해 스타 작가 반열에 오르죠. Le succès de Victor m'est un peu monté à la tête. Notamment le jour où j'ai décidé d'acheter cette grande maison à Chantilly. C'était une maison qui ne nous ressemblait pas. Mais à laquelle on a peut-être fini par ressembler. 한순간 벼락부자가 되어 꽃길만 걸을 줄 알았는데. Tu repars quand? Après-demain. Déjà? Tu pars de plus en plus souvent. Ouais. Ouais, quand je suis là, je m'emmerde. Pardon? Je m'ennuie. Là, tout de suite, je m'ennuie. 어딘가 변한 듯한 빅터의 모습. 이제 그에게 남은 건 오로지 글, 글. Son nouveau roman racontait la vie à peu près complètement sinistre d'une mère de famille, une aristocrate, alcoolique et inculte au XXe siècle. Trompée par son mari, détestée par sa fille, méprisée par ses fils, cette madame. 급기야 어머니의 이야기까지 책의 소재로 팔아버리고 맙니다. 이거 좀 위험한데. Certains livres, on le sait, sont aussi meurtriers qu'une balle de revolver. 이제 아들로도 남편으로도 돌이킬 수 없는 강을 건넌 빅터. Victor traversait une période très difficile. Les deux romans qu'il publia ne rencontrèrent pas le succès. 뜻밖의 성공만큼이나 갑작스러웠던 추락. Mais je vais crever sans toi, Sarah. Mais non, tu vas pas crever. Regarde le bon côté des choses. Toi qui te plaignais de manquer de matière, d'avoir une vie de bourgeois, ben là, tu vas enfin pouvoir écrire quelque chose. 모든 것을 잃고 나서야. L'amour irréversible. C'est le retour de Victor Adelman. Bon, pour en parler, mais il veut plus faire promo. Avant tout, c'est l'autopsie cruelle, acide, d'un mariage douloureux. Tout le monde a acheté ce bouquin qui racontait ma vie. 자신에게 솔직할 수 있었던 남자. Ils sont tous en train de se demander si j'ai pas tué Victor. Ah, non. Vous croyez? Est-ce que la vieille a tué lui? Ça, c'est un sujet de livre pour quelqu'un de votre âge. 스타 작가 빅터의 미스테리한 죽음 뒤 숨겨진 이야기, 미스터 앤 미세스 아델만입니다.